Donc je le sors. Que vous étiez donc artiste, un artiste au sens plein du terme. Vous avez réussi un très joli roman, La vie épatante, donc aux éditions Phébus. Vous continuez à travailler sur la peinture, vous faites de la musique. Je vous propose de faire quelques mesures et puis Sandra Rumolino enchaînera. Oui, enchaînera, elle oui, vous soutiendra. Pense. Regardez comme elle est jolie avec sa robe rouge. Elle pourrait figurer dans votre livre, dans un Absolument. De ses bistrots, la nuit. Elle va interpréter Soledad, mais c'est vous qui commencez. Pierre de Vidot. À vous Sandra, bravo, c'était pas mal. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. Merci, Sandra Rumolino. Ça vous a plu, Pedro? J'aime le tango beaucoup. Vous aimez la musique? Mais la musique et les paroles aussi. Les paroles sont très impudiques, très baroques, très dans l'extrême. Ça me plaît beaucoup. C'est une musique qui me représente très bien. Les boléros et les tangos racontent l'histoire avec beaucoup de désespération. Et au bandoneon, tout à l'heure Pierre de Vidieu le disait, c'est un instrument très très difficile qui nécessite un très long apprentissage. Alors l'actualité du cinéma, elle est très fournie cette